Ce match devrait vraiment faire plaisir aux amateurs de foot en général. L'ambiance est superbe, le stade est vraiment multicolore, on devrait bien s'éclater. Ils peuvent construire quelque chose. Marqué. Le goal la bloque. Caneira. Anderson Polg. Quel gaffe, il faut faire attention. Smilov, Romagnoli, c'est un bon travail défensif. Oh que ça va partir vite. Allez, il faut aller au bout. C'est une frappe. Le goal a dégagé le ballon, corner. Corner joué rapidement. Ça peut faire mal sur cette rentrée en touche. Encore une belle occasion. Pas de problème pour le gardien. Ismailov. Il décoche un tir. C'est normal, il est hors jeu. Joli dédoublement. Superbe défense ici. Berley. Encore une occasion de centrer. Il est rentré dans la surface. Il vise la cible. C'est vraiment trop loin du cadre. Il n'a même pas la place pour passer une allumette. João Moutinho.
Bon ballon. Le contre, c'est une arme redoutable. Nouvelle occasion de centrer. Il lui faut un espace pour cadrer. Encore une belle occasion. Il va pouvoir marquer. Encore une occasion de centrer. Coup franc situé à bonne distance. Il y a plusieurs possibilités. Quelles sont les options ? Ils peuvent construire quelque chose. Bien joué de la part du défenseur. C'est un ballon gagné. Derley. Il n'a peur de rien. Le goal a la situation en main. Bien défendu, le ballon est récupéré. Derley. Bien joué. Va-t-il frapper ? C'est bien de la part du défenseur. Derley. L'attaque ne donnera rien. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Il reprend le ballon maintenant. Oh, que ça peut être dangereux sur ce coup. João Moutinho. Il gêne son adversaire et récupère la balle. De centrer dans la surface, c'est très chaud. Il tire, c'est pas si mal joué, mais il faut être plus précis. Et ce joueur là, si tu les laisses 2 cm, il dégaine plus vite que son ombre. Il tire dans tous les coins. Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. Que va-t-il décider ? C'est vraiment loin d'être cadré et c'est le moins que l'on puisse dire. Ah, c'est vrai qu'on peut dire que les défenseurs l'ont un petit peu regardé jouer sur cette action. Mais ça n'enlève quand même rien à l'action qu'il a fournie. Il reprend le ballon maintenant. Il n'y a plus que le gardien à passer. Pas de problème pour le gardien. Caneira. João Moutinho. Ballon renvoyé en arrière. Romagnoli. Oh, la faute est manifestement délibérée. C'est un défenseur qui récupère le ballon de façon admirable. João Moutinho. Ça pouvait être dangereux, donc coup franc. C'est vraiment loin. Ça va peut-être rentrer. Juste au-dessus de la barre.
Je ne crois pas qu'il ait choisi Cavani la bonne solution. Il s'est un petit peu enflammé sur ce coup-là. C'est pas idiot de conserver le ballon en milieu de terrain. Ça allège vraiment le travail des défenseurs. Bien joué. Partir en contre, c'est toujours payant. Oh, c'est trop bon, il peut marquer. Un autre tir. Il l'a touché des points, mais ne l'a pas capté vraiment. Corner. Le ballon est dans les airs. Décoche un tir. Et c'est dedans. Bien joué. Quel but merveilleux. Il est marqué à un moment important au cours de cette première période. Et en marquant comme ça, en frappant le côté gauche, il nous dit à la fin du match qu'il a fait exprès, l'homme pourra dire que c'est un grand joueur. Il continue sa très belle série. Deuxième titularisation et il marque encore. Il mène grâce à ce but. Là, ça va rassurer l'équipe et réjouir l'entraîneur. Il a fait la différence, je ne serais pas surpris de continuer d'attaquer et d'essayer d'en marquer un second. C'est le bon moment. Ah là là, une occasion en or. Il frappe directement. Bataille pour le ballon dans la surface de réparation. Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. Trop long. Derley. Romagnoli. Bon retournement de situation, il a le ballon. Oh, ce contre, il peut mener loin. Il va marquer. Un nouvel essai. But incroyable, le deuxième en 5 minutes. Et avec le coup de boule de Wayou qui vient de lui mettre, je ne crois pas que le gardien avait une seule chance. Quelle ambiance! Ce but a vraiment fait disjoncter tout le stade, c'est impressionnant. ⁇ 2-0, c'est vraiment une bonne avance. Ouais, c'est vrai qu'avec une avance de 2 buts, une équipe peut se relâcher. Donc un but juste encaissé par l'adversaire, et là tout le match est relancé. Un bon moyen, c'est sûr, c'est d'aller chercher un troisième but avant le retour. Un peu trop dévissé à droite. Et si la défense lui laisse de l'espace comme ça toute la rencontre, à mon avis, il va pouvoir tirer au but pendant 90 minutes. Il a mis le pied sur le ballon. Tactiquement, c'est assez intéressant. Le ballon circule bien. Il faut maintenant trouver la faille. Oh, ça va vite. Oh, il tente le lob. Sans problème pour le gardien qui a bien vu que ça passait à gauche. Ouais, c'est audacieux ce lob-là. C'est vrai que ça n'a pas réussi. Bon, peut-être qu'il avait le corps un petit peu décalé au niveau de sa frappe, mais c'était sympa de le voir.
frappe. Dans la surface, c'est très chaud. Oh oui, quel but. Oh oh, il doit être heureux ce joueur. Vous avez vu un petit peu le toucher de balle de l'attaquant. Ça, c'est la classe, la pureté du geste. Il a mis le lob parfait au moment où il le fallait. La foule semble extrêmement mécontente. Elle ne cache pas sa déception. À 2-1, l'avance est mince. La menace est écartée. L'arbitre assistant a levé le drapeau hors jeu. Va-t-il la mettre au fond des filets ? Lui au moins le temps. Aïe, 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 aïe. Égalisation, l'égalisation, elle fait mal. Mais nous allons peut-être assister à un très grand match. Ça, c'est une grosse erreur de gardien. À mon avis, il a regardé tout sauf le ballon. Et il a permis à l'adversaire de pousser le cuir au fond. Ils reviennent à égalité de partout. Là, c'est sûr que ça va rendre le match un peu plus intéressant. On savait que l'entraîneur qui vient d'encaisser le but pensait que cette avance allait être importante, mais il savait aussi que le talent d'en face pouvait faire la différence. Allez, ça va donner du fil à retordre aux adversaires. Le gardien a le jeu en main. Caneira. Anderson Pot. Olga. Ils ont toujours le ballon, c'est bien. Caneira. Romagnoli. Va-t-il marquer ? Le ballon est à peine hors de la surface. Encore une occasion de centrer dans la surface de réparation. Il a tout simplement manqué de précision sur cette action. Il a grillé les défenseurs avec un tel effort qu'il n'a pas pu redresser sa frappe. Nous allons voir si les calculs de l'entraîneur sont justes. Romagnoli. C'est chaud bouillant. Belle intervention du gardien, mais heureusement également que le défenseur était là. Le gardien est en danger. Le ballon est toujours dans la surface. Ça n'échappe pas au gardien.
Romagnoli. Le ballon est pour l'autre équipe. Romagnoli. Ismailov. Nouvelle occasion de centrer. Attention le défenseur, il faut revenir. Très bonne maîtrise défensive. Que va-t-il décider ? Perte du ballon. Attention ! Il est vraiment très loin. Pas de souci pour le gardien sur cette action. Et là, la défense, elle était quand même un petit peu endormie sur le coup. Il a laissé décocher son tir, il a laissé un petit peu faire. C'est dommage qu'il n'ait pas mieux cadré quand même. Quelle sûreté dans ses gestes. Cinq minutes à jouer, puis l'arbitre sifflera la mi-temps. Romagnoli. João Moutinho. Ça part à 200 à l'heure, c'est bien. Cette attaque ne donnera rien. Derley. Caneira. João Moutinho. Encore une occasion de centrer. Quelle gaffe, il faut faire attention. Faute indiscutable, coup franc normal. L'entraîneur cherche à remanier l'équipe. Oh que ça va partir vite. Va-t-il marquer? Le dernier face à face. Encore une occasion de but gâché. Et malgré son Diéfala, il a quand même raté le cadre de peu. Oh, il y aura peut-être but. La balle est sortie, 6 mètres. Ismailov. L'arbitre assistant annonce une minute de temps additionnel. Bien vu. Au second, il me semble bien mené. Il va sûrement marquer. Et c'est au fond, génial. On peut reprendre l'avantage ainsi. Et ça, c'est une frappe sensationnelle pour un joueur sensationnel avec des talents sensationnels. Le score est de 3-2, un but d'écart, c'est pas beaucoup. Derley.
joué de la part de la défense. C'est la mi-temps, tout le monde se repose, sauf les entraîneurs qui peuvent élaborer des tactiques. Et cette équipe, elle joue à 20% de ses possibilités. Ils ont des ailiers, ils ne s'en servent pas. À force d'écarter, ils vont bientôt finir par sortir du terrain. 3 buts à 2, c'est peut-être un match historique. La seconde période à présent, on va voir si les consignes données par les entraîneurs sont respectées. Bing, quelle reprise! C'est extrêmement décevant. Et là, c'est vraiment dommage, parce qu'à mon avis, il avait une superbe occasion pour égaliser. Il s'est trouvé en bonne position, mais je pense qu'il s'est un petit peu précipité. Ballon touché par le défenseur. C'est très haut. Ils se défendent bien. Quelle belle occasion! L'attaque ne donnera rien. Bien joué, il conserve le ballon. Au niveau de la circulation, c'est vraiment du super boulot. Le dispositif est bien huilé. Le ballon part dans tous les sens. C'est le défenseur qui a le dernier mot. Bien défendu. Et c'est dégagé. Derley. Anderson Polg. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais toutes les occasions sont bonnes à jouer. Allez ! Ça peut passer ici. Ils peuvent construire quelque chose. La défense est solide. Le meilleur moyen de ne pas encaisser un but, c'est de garder le ballon. Il passe en retrait au gardien. Derley. Attention, il frappe. Il faut essayer d'atteindre la cible. Comment il a fait pour atteindre tel but? Il avait fait la différence. Il se trouve en face à face avec le gardien. Il manque la finition. Oh, il a mis les chaussures à l'envers ou quoi? Belle passe. Que va-t-il décider? L'attaque est stoppée, ça donnera rien.
Que va-t-il faire? Une défense intraitable, superbe. Caneira. João Moutinho. Anderson Polga. Il faut jouer le ballon, pas le joueur, coup franc. Va-t-il marquer? C'est un corner. Forcément une occasion de but. Qui va le prendre dans la surface? Quand on est spectateur de ce genre de match, c'est un vrai régal. Le ballon circule bien, mais mettez-vous à la place des adversaires. Bon travail et bonne possession du ballon. Et Ismailov. Bien vu. Derlei. Pour Anderson Polga. Et Ismailov. Partir en contre, c'est toujours payant. Il s'infiltre dans la surface adverse. C'est absolument magnifique, bien vu le gardien. On joue déjà depuis 15 minutes dans la seconde période. Nouvelle occasion de centrer. Il peut surprendre et marquer. João Moutinho. Romagnoli. Quelle technique individuelle. C'est un as dans la conservation du ballon. Encore une occasion de centrer. Il n'a peur de rien. Il a complètement gâché cette occasion. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Le contre, c'est une arme redoutable. Duel remporté par le défenseur. Anderson Polga. Caneira. Action dangereuse, il peut marquer. Oui! Oui, oui, oui! Il réussit, c'est le break à ce moment très important du match. Bravo! Et à chaque fois qu'il touche le ballon, tous les supporters sont debout. Et après ce but, ils ne sont pas prêts de se rasseoir. Il réalise vraiment de belles choses. C'est un travailleur infatigable et c'est bien qu'il soit récompensé par ses deux buts. Marqué, mais ils en ont toujours deux de retard. Ils peuvent construire quelque chose. Pas de problème pour le gardien. Nouvelle occasion de centrer. Il peut frapper ici. Il frappe au but.
Le ballon a été dévié par le défenseur. C'est un tir brossé. C'est un ballon gagné. Derley. Ils ont toujours le ballon. Ismailov. Va-t-il la mettre au fond des filets? Et but! Oh oui, bien joué! Le gardien n'a rien pu faire. Et ce but est vraiment splendide. Et c'est vrai qu'il n'a qu'un seul pied. Mais quand il s'en sert, c'est toujours pour marquer. Vont-ils savoir maintenant conserver ce score? C'est drôle, il semblait pourtant maîtriser le match. Hein. Avec ce but venu d'ailleurs, ça relance tout. Hein. On va assister, à mon avis, à une fin très tendue. Grossière erreur de la défense. Ça passe au-dessus, bien trop au-dessus. Et si la défense lui laisse de l'espace comme ça toute la rencontre, à mon avis, il va pouvoir tirer au but pendant 90 minutes. Sur le plan tactique, le ballon circule bien. Vont-ils déclencher une attaque? On va le savoir dans quelques secondes. Ils n'arrêtent pas d'attaquer. C'est un vrai régal. Ils vont peut-être en marquer un autre. Ah là là, une occasion en or. C'est beaucoup trop dévissé à gauche. Et heureusement que ce face-à-face ne s'est pas terminé par un but. Parce que le gardien, il aurait eu deux mots à dire à sa défense. Il reprend le ballon. Ça, c'est vraiment du bon boulot. Derley. Ils peuvent construire quelque chose. Que va faire le gardien? Quelle frappe! Oui! Avantage peut-être décisif désormais pour nous. Quand tu vois des buts comme ça, tu ne regrettes pas d'avoir payé ton billet d'entrée. L'entraîneur apporte quelques améliorations. Marqué, franchement, il y a plein de trucs à voir. Ce n'est pas très spectaculaire, mais les puristes apprécieront. Le ballon circule bien et franchement, ils auront du mal encore. Eh bien, le défenseur a le ballon maintenant. Presque 75 minutes écoulées. Derley. La balle n'est pas passée. Romagnoli. Ah ça, la défense, c'est un sacré art. Hein. João Moutinho.
gêne son adversaire et récupère la balle. Quelle contre-attaque, ça peut être dangereux. Quelle occasion en or. C'est dedans et désormais il y a 3 buts d'écart, c'est assez phénoménal. Vous avez vu Christian, il n'a que le dribble long qui te permet d'éliminer plusieurs joueurs. Et en réussissant celui-là, il a surpris l'adversaire, ses coéquipiers et le gardien avant de marquer ce but. C'est son hat-trick, 3 buts au cours du même match. Bravo, à mon avis, il peut garder le ballon. Nous entrons dans le dernier quart d'heure. Encore une occasion de centrer. Attention, ils peuvent marquer sur ce ballon perdu. Ce score les a complètement libérés et maintenant il faut tourner le ballon. Il vise la cible. C'est dommage, il faut rester concentré pour viser le cadre. Et pourtant, il me l'avait dit avant le match, et qu'il allait tirer de partout et qu'il allait faire des frappes en me tuant, voilà. Ballon renvoyé en arrière. Les défenseurs semblent un peu perdus. Les tacles ne servent à rien. Attention, ça peut être dangereux. Il était bien placé pour l'intercepter. Ils peuvent construire quelque chose. C'est bien défendu, le danger est repoussé. Nouvelle occasion de centrer. Trajectoire coupée par le défenseur. Non, le ballon a été intercepté. Oh, ce contre, il peut mener loin. Encore une belle occasion. Le joueur frappe. C'est trop loin du poteau gauche. Il m'avait dit avant la rencontre, aujourd'hui tu vas voir que j'ai les deux pieds. Et malgré la pression, c'est du beau football. Les avants font vraiment un travail extraordinaire. Pas moyen de passer cette fois. Il a fait ce qu'il fallait faire. Chaque minute qui passe est une minute en moins pour marquer un but. Les supporters sont totalement désabusés et il y a de quoi. Encore une occasion de centrer. Le défenseur l'écarte de la tête. Va-t-il trouver la bonne trajectoire ? Sans danger pour le goal. Il reprend le ballon. João Moutinho. Pour l'instant, il se contente de faire tourner le ballon au milieu de terrain. Ils ont du mal à trouver une faille devant. Ça peut passer à gauche, ça peut passer à droite, nous verrons bien.
Et Caneira. Pour Anderson Polga. Le ballon est pour l'autre équipe. Il y a du but dans l'air. Bien joué le gardien. Tire de si loin. Le ballon est détourné. Corner. Non loin du premier poteau. Romagnoli. Bonne action, le ballon est récupéré. Lui au moins il tente. Un tout petit peu trop haut. Je pense que c'est un peu précipité. Il avait le temps de tout faire. C'est vrai que d'en haut, on a le temps de voir les choses. Bien joué, l'attaque ne donnera rien. Ismailov. Ils peuvent construire quelque chose. Il est dans la surface, face au gardien. Sans problème pour le gardien qui a bien vu que ça passait au-dessus. C'était bien fait, il a tout enchaîné comme il fallait, il a frappé, il a simplement manqué le cadre. Il n'a peur de rien. Ismailov. Nouvelle occasion de centrer. João Moutinho. On est dans le temps additionnel. L'arbitre regarde sa montre. Il ne reste pas lourd à jouer. Au second, il me semble bien mené. Encore une belle occasion. Il tire. Le gardien peut remercier son défenseur, assez efficace. Fin du match, l'arbitre en a décidé ainsi, c'est terminé. À des matchs comme ça, on en redemande. Hein. Quelle attaque de feu! Franchement, il me tarde de les revoir. Ça, c'est une belle performance. À mon avis, ils vont se retrouver pour aller fêter ça. Voilà, c'est la fin de notre retransmission. Merci Laurent, bonsoir.